Allez, dépêchez-vous, ça a sonné depuis 5 minutes. Voici vos interros. Franchement, vous me décevez. Va se redire, Cédric. Va sur le vélo. C'est 1-0. T'as pas étudié du tout? Valentine? Toi aussi. Valentine. C'est 1 sur 10, Victoria. T'aurais pu mieux faire. Un 10, 1 sur 10. Aïe, j'ai une crampe. Un 10, va au vélo. Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis éventuellement en énergie électrique. Une éolienne se compose des éléments suivants. Un mât qui permet de placer le roteur à une hauteur suffisante pour permettre son mouvement. Une nacelle montée au sommet du mât abritant les composants mécaniques, pneumatiques. Un roteur est composé de plusieurs pales, en général 3, et du nez de l'éolienne. Good morning. Madame. Where today? Nous avons fait une listing compression. Oh non! Pas, non. Pas de commentaires. Qui me branche la radio? Jam, cela ne fonctionne pas. Pédale plus vite. L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie produite à partir du rayonnement solaire. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire pour former une installation solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut être consommée sur place ou dans un réseau de distribution. Vu que cette ampoule n'a pas encore explosé, je vous propose un petit problème. Oh non, pas ça. Prenez de quoi écrire et voici le problème que vous devez résoudre. Une famille de 4 personnes vivant dans une maison de 65 mètres carrés décide de se chauffer au bois. Le père se rend dans une forêt et signe 9 arbres différents. Combien d'arbres aura-t-il scié en une demi-journée? Combien d'arbres devra-t-il abattre pour tenir tout un hiver? Bon travail. La biomasse est la deuxième énergie renouvelable du monde. Elle permet de produire de l'électricité, de la chaleur par la combustion de déchets, de résidus, de matières organiques, végétales ou animales. Pour une énergie propre et durable. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.